le président de l'Union pour la démocratie et le développement, UDD, après la grandiose mobilisation du camp présidentiel pour accueillir Alpha Condé, invite les acteurs politiques à mettre leur orgueil de côté afin d'éviter à la Guinée de vivre une nouvelle tragédie. Selon Bahouri, le jeu qui consiste à alterner manifestation en réplique à une autre manifestation, tant que ça ne dégénère pas, on pourra dire que c'est la démocratie qui est vivante. Mais on a des habitudes dans notre pays qui font que ce qui commence bien finit souvent dans une forme de tragédie. C'est pourquoi, l'ancien ministre de la Réconciliation nationale demande aux acteurs politiques d'éviter de plonger la Guinée dans une instabilité. J'invite les acteurs politiques de tous les bords à prendre en compte ce qui s'est passé avec le CNDD et de la manière dont les choses se sont déroulées le 28 septembre 2009. Pour ne pas qu'on revive le même jeu au risque de retomber dans les mêmes travers, plaide Bahouri. Le président de la République a eu un accueil chaleureux, tant mieux. Mais il ne faudrait pas de part et d'autre, on dise de répliquer. De réplique en réplique, ça risque de finir mal. Je dis aux acteurs de première ligne, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, notre orgueil ou ego qui consiste à dire tant que je n'ai pas raison ce n'est pas bon, il faut se départir de ça, lance-t-il à l'endroit de l'ensemble de la classe politique. Ce n'est pas l'orgueil de qui que soit qui est intéressant aujourd'hui, c'est la stabilité de la Guinée. Ce sont des millions de personnes qui s'interrogent sur leur avenir dans notre pays et des millions de jeunes qui veulent que les choses aillent de l'avant, qui ne veulent pas mourir et veulent espérer que demain sera mieux qu'aujourd'hui, conclut-il.